Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo face cam. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, juste face cam. Là, je vais faire celle-ci et je vais en filmer une aussi prochainement qui va parler vraiment de l'école, la comparaison entre la France et le Canada, mon constat à l'heure actuelle et réponse à vos questions. Mais ça va arriver, alors soit elle est déjà en ligne, soit elle va arriver prochainement, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon inscription et mon ouverture de deux box américaine, donc la Ipsy Box que je connais déjà puisque c'est une box, une petite box mensuelle qui vaut vraiment pas grand chose. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est 14$, mais vous pouvez la commander que aux États-Unis ou au Canada, je sais pas. Moi j'avais réussi à l'avoir en France, mais je passais par une copine qui me les envoyait après en France. Sinon c'est compliqué pour les avoir en France. J'ai envie d'en tester d'autres box américaines puisque vraiment il y a des box qui valent le détour. Donc je me suis inscrite sur Ipsy Box, mais je pense pas rester inscrite très longtemps parce que sur le site Ipsy vous avez d'autres box qui sont encore plus avantageuses, mais je vous en reparlerai prochainement. Avec la box X-Charm, etc. Donc je vais aller regarder et fouiller ça. En tout cas là je voulais retester un petit peu et vous montrer ça. Et j'ai craqué pour une box qui s'appelle Fab Fit Fun, si je ne me trompe pas. Et en fait c'est une sorte de box gratuite. Si vous voulez aussi, si vous êtes du Canada ou des États-Unis et que vous regardez ma vidéo, si vous voulez recevoir votre box gratuite, vous avez juste les frais de port à payer. Eh bien n'hésitez pas à me le dire, je pense que je peux vous parrainer en vous envoyant un petit mail. Il y a moyen. En tout cas, c'est une box d'une valeur de 125$, mais j'ai payé que 8$ de frais de port. Alors, elle a mis longtemps à arriver. Hein, elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Presque un mois. Mais elle est là, donc c'est l'essentiel. Et j'attends la prochaine avec impatience aussi, qui sera spécialement destinée au... Je crois que c'est sur la saison fall, parce que ça, il y en a 4 par an. C'est selon les saisons. C'est pas donné en revanche parce que la prochaine elle m'a coûté 110$. Celle-ci 8$, mais la prochaine 110. Allez, on ouvre tout de suite la Ipsy Box. Donc, c'est une petite box comme je disais de 14$. Et à chaque fois vous avez une petite trousse avec des petits produits de beauté. Et moi je crois que j'ai choisi un produit à l'intérieur. C'était un spray fixateur où j'avais le choix parmi plusieurs produits. Ouh, alors c'est celle... Oula. C'est celle du mois d'août, donc elle se présente comme ça. Elle est trop jolie, une petite trousse avec écrit glam. Plutôt quali, pas trop mal. On a le petit thème du mois avec une petite trousse là comme ça. Peut-être c'est pour le mois prochain, je ne sais pas. Un pinceau qui est plutôt canon, très beau. J'aime beaucoup les pinceaux comme ça, les pinceaux plats. Je trouve ça trop pratique dans le quotidien et puis il est assez coloré avec des petits strass là. Est-ce qu'il y a une marque ? Miss Glam Eyeshadow P12. On ne se connaît pas du tout si c'est une marque connue ou pas. En tout cas, ça va être très utile. Donc, au niveau de la box, on ouvre. Alors, c'est vraiment des tout petits produits. Alors, j'avais choisi un spray fixateur que je ne vois pas dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est peut-être pour la prochaine. C'est peut-être pour celle de septembre. Je ne sais plus. En tout cas, on a 4 produits à l'intérieur et le pinceau, ça fait 5. On a un gloss comme ça de la marque YC Collection. Je ne connais pas. Ça se présente comme ceci. Regardez ça, il a l'air plutôt pas mal. Est-ce que c'est vraiment un gloss ou c'est une ombre à paupières peut-être? Il n'y a pas vraiment écrit. Ah non, c'est un highlighter. Cream Cycle, regardez. Alors, en highlighter, honnêtement, je ne mettrai pas. C'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. C'est vrai que si on a une peau un petit peu pour me bronzer, peut-être que ça peut être joli en highlighter. Mais moi, je le mettrai peut-être plus en fard à paupières. À tester. Je suis pas hyper fan de ce genre de produit là, je vous avouerai, mais ça peut être pas mal à tester. On a un tout petit produit, le The Professional de Benefit. Oh, c'est un petit échantillon, vraiment ça c'est abusé. Si c'est des produits comme ça, je vous avouerai que je ne vais pas renouveler mon abonnement parce que ça c'est le genre de truc que j'avais gratuitement à Sephora. Donc ok, c'est cool, c'est à tester, mais c'est plus un échantillon à tester quoi. C'est pas un produit pour moi. Donc c'est la base matifiante de chez Benefit. Je savais même pas qu'ils avaient sorti cette base, mais je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de base matifiante, donc ça m'intéresse pas. Ensuite on a un sérum hydratant à l'acide hyaluronique de la marque Kiramoon. C'est encore une fois un vraiment tout petit format et moi j'aime pas recevoir les mini sérums comme ça, trop petits comme ça, ça m'intéresse pas, donc je suis pas conquise. Et le dernier produit, c'est une crème pour les mains. Cette fois-ci ça a l'air d'être un format, je pense, un peu plus vrai. La Blood Orange, alors, en revanche elle me donne pas du tout envie le packaging là, vraiment clairement. Je sais pas si vous, ça vous donnera envie un peu, mais moi pas du tout.
On va quand même tester pour voir si ça sent bon. Hein. On va faire la curieuse, mais cette box du mois d'août m'a pas plu. Hein. Pour 14$, ok, ça fait 10€, hein, c'est pas grand chose, mais. Elle sent comme les crèmes Bath & Body Works, donc elle sent bon. Ouais, si ça va. Elle sent bon, donc ça va. Alors, c'est très. Hein, ça sent fort. Hein. Si vous n'avez pas les crèmes comme ça pour les mains qui sentent fort, ça va pas vous plaire. C'est un peu citronné. Mais j'aime bien l'odeur, vraiment elle me rappelle les crèmes Bath & Body Works. Bon, ça remonte la note. J'aime bien la trousse, j'aime bien la crème qui sent bon. Mais le pinceau que j'aime beaucoup. Peut-être cette base là pourra me servir. Mais sinon je suis pas hyper conquise de cette box. Vous me direz ce que vous en pensez. Mettez lui une note sur 10. Moi je mets un 6, je suis mitigée. J'ai pas beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. On va ouvrir la grosse box, oui. Celle-ci elle peut que me plaire, sachant qu'elle a coûté que 8$. On va voir, on va voir. Ouh, il y a déjà des beaux formats. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça nous remercie à l'intérieur du colis, comme ça, thank you. Et c'était pas mal emballé, c'est bien protégé. Donc déjà, bon point. Ouh, on a l'air d'avoir une bougie. Mais non, ils ont mis une bougie. Ouais, une bougie home sick. C'est super bien protégé quand même, clairement. Il n'y a rien à dire. Et là, pour 8$, une bougie, c'est quand même bien. Ça, c'est vraiment une box qui va mélanger de la mode, mais pas des vêtements. Par exemple, des chaussons, qui vont mettre des bougies pour la maison, qui vont mettre un sac à main. Et en même temps, ils vont mettre des produits de beauté. Et c'est pour ça qu'elle est chère. 110$, c'est cher. Mais c'est vraiment une box hyper complète et par saison. Donc là, on a une bougie comme ça qui est plutôt très jolie pour la maison. Ça sent bon, c'est une petite odeur. Donc là ils mettent citron et peony. Ah ouais, j'adore, j'ai un coup de cœur. C'est vraiment une odeur toute douce de cocooning. Ça va être très très bien là pour la saison. Je suis trop fan. Déjà là, vraiment canon. On a un produit de la marque Cutio Natural. Un traitement pour les cheveux, je pense, hydratant, smooth. Ouais, ça a l'air d'être un soin d'hydratation. J'ai l'impression que... Ah non, c'est pas pour les cheveux du tout. Il s'agit d'un produit pour les mains, les pieds et le corps. Donc je vous montre un petit peu de plus près, comme ça la marque Cutio. Je ne connais absolument pas, au moins ça va être découverte, vraiment, vraiment grosse découverte. On ouvre, parce que bah écoutez, on va faire le crash test jusqu'au bout. Ouh, ça sent divinement bon. Oh là là, ça sent très 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 bon. J'aime beaucoup beaucoup l'odeur. En plus ça c'est vraiment le genre de format que je vais utiliser sans problème. Donc effectivement c'est une texture riche. Moi j'utiliserais plutôt sur les pieds. C'est vraiment une odeur un peu mentholée. Ouais, vraiment je trouve que c'est parfait. Soit pour hydrater bien ses mains pendant la nuit, soit pour les pieds. Mais je n'utiliserai pas sur mon corps. En tout cas c'est plutôt cool, c'est un bon produit déjà. Ah, je vois qu'on a des produits capillaires. Ah, je suis un peu... Écoutez, on verra. Mais c'est de la marque The New Co. Donc, on a un duo et ça, c'est plutôt cool. Avec le shampoing et le conditionneur. Donc, l'après-shampoing. Mais c'est des shampoings régénérants et volumisants. Ce qui n'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime pas les cheveux volumineux. Parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup trop de volume à mon goût. Donc, en revanche, c'est sans silicone, sans parabènes, sans produits, sans odeur artificielle. Donc, ça peut être pas mal. Je sais pas si je les utiliserai, je verrai. Peut-être, peut-être pas, sinon je les donnerai. Peut-être à ma maman, je sais qu'elle aime bien, elle, avoir du volume. Donc, pourquoi pas. Je viens de trouver la petite boîte. En tout cas, pour l'instant, pour 8$, je suis très, très, très satisfaite. J'ai hâte de découvrir la version à 110$, donc la vraie box. Là, c'est comme un petit avant-goût. Mais la vraie box, je ne sais pas si je vais recevoir celle de l'automne, j'espère, parce que c'est ma saison préférée. Je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, dites-moi dès maintenant si ce genre de box ou d'ouverture un peu de box américaine, canadienne, vous intéresse. Si vous en avez d'autres à me conseiller que vous aimeriez que je teste, bah dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, ça permettra de me soutenir, de valoriser ma chaîne. Mais j'ai tellement hâte de partager ça avec vous en commentaire pour savoir un petit peu votre ressenti aussi. Et le dernier produit, c'est une salière et une poivrière en céramique. Alors, avant de rire, je m'attendais tellement pas à ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une box qui propose un peu de tout, que ce soit pour la maison ou pas. Oh, ils sont très jolis. Alors, est-ce que ça ira dans ma maison? Je ne sais pas.
sympathique, c'est un petit design un peu cool comme ça, vous voyez. Donc j'ai pas, en plus il y a écrit sel et poivre, du coup j'ai pas c'est pas le style dans ma cuisine ou dans ma maison, mais dans l'idée c'est sympa. En plus j'en avais pas spécialement, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu rose beige, ça aurait été parfait pour mettre dans mon salon sur la table de salle à manger, et ça aurait fait un élément de déco et en même temps pratique. Mais là voilà, mais c'est une jolie couleur aussi. Je sais que l'espèce de couleur un peu comme ça, amande, ça peut plaire à beaucoup. En tout cas, c'est la marque Darling Spring, je pense. Et c'est plutôt astucieux, c'est original. Ouais, je suis plutôt conquise par cette box. Alors, je suis pas objective parce que je l'ai payé que 8$. Elle a mis beaucoup de temps à arriver. Mais j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir celle que je vais recevoir, qui va me coûter cher. Parce que pour info, 110$, ça équivaut à 70€ à peu près, donc ça fait quand même, pas celle-ci, hein, mais la prochaine que je vais avoir de la marque FabFitFun. Ah oui, je vous ai pas redit la marque FabFitFun, la prochaine que je vais avoir, elle m'aura coûté 70€. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez vous aussi recevoir une box comme ça, si vous êtes du coin et que vous voulez recevoir une box à 8$ seulement, juste les frais d'envoi pour recevoir chez vous et avoir des petits produits comme ça pour tester, n'hésitez pas à me dire ça. Je pense pas que j'ai de lien. Si j'ai un lien, je vous le mets dans la barre d'infos. Sinon, je pense qu'il faut passer par mail. Bah, vous me dites, vous me contactez par Instagram ou par mail et puis je vous donnerai. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé comme ça face cam que ma caméra a décidé de ne pas être sympa avec moi. Elle vient de couper parce que j'avais plus de place dans ma carte SD. Qu'arrive ? Donc, je ne sais plus ce que je vous disais le temps que j'efface des petites vidéos qui étaient dessus. Donc, en tout cas, pour une première impression, c'est vraiment plutôt pas mal. Je vous disais donc de me contacter par mail ou par Instagram si vous voulez aussi tester vous aussi pour 8$. Et vous me direz d'ailleurs, ce serait l'occasion de savoir si on a tous à peu près le même style de box ou pas. En tout cas, je suis contente. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour avoir votre avis, jauger un petit peu si ça vous intéresse ou pas ce style de vidéo. Si ça ne vous intéresse absolument pas, mais je ne pense pas que je referai des unboxings de box, même si j'adore en regarder, j'adore en faire. Mais ou si je le fais pas, j'en parlerai peut-être dans des futurs hauls. Là j'ai pas eu le temps encore d'aller magasiner comme on dit au Québec, donc j'ai pas craqué encore. Je voulais passer une commande sur Colourpop, je voulais aller acheter des petites choses chez Sephora et vraiment j'ai pas eu le temps, donc ça ne serait tardé. Je pense que je vais m'acheter des petites choses, et puis le mois de octobre c'est le mois de mon anniversaire, alors je pense que je vais me gâter aussi avec des petites choses, même si je me suis beaucoup gâtée ces derniers temps. Vous avez dû le voir avant que je parte au Canada, j'ai été fait quand même plaisir. Mais voilà, ma petite commande Colourpop, elle est là, hein. elle attend, elle patiente, et à un moment donné je vais craquer. Donc voilà, en tout cas pour les petites box du moment. Je suis mitigée quand même sur mon avis, hein. Je suis vraiment la Ipsy, je suis pas du tout conquise, et je pense que j'attends le mois prochain et après j'arrêterai, parce que je sais pas, avant c'était mieux, ça m'avait paru mieux, là c'est vraiment des trucs pas terribles. Sur ce, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo au Canada, au Québec. Salut !